Je ne savais pas qu'il y avait tant de mots sur terre qu'il fallait faire une prière avant de boire sa bière. Penser seulement au vicaire, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Je pensais au conseil des aînés. Ne m'avait-il pas conseillé à quoi fallait-il penser? Ne m'avait-il pas emmené sur le sentier de la vérité à me détourner des vices du monde entier? Ne n'ai-je pas joué comme un pied? La vie enferme beaucoup de pièges, il faut lutter pour garder son siège. La vie autre qu'un manège, on a tous commis ce sacrilège d'être venu sur terre, quel privilège! La vie nous a-t-elle offerte chaque jour? On n'est pas malheureux, certes, mais sommes-nous à l'abri d'une disette? L'homme n'est grandi, meurt, est-ce vraiment un malheur? On pleure peut-être pour l'âme sœur qui vient de partir, mais que nous réserve-t-il l'avenir? Pourquoi vraiment de nos jours, pourquoi ne pas laisser la musique comme ça, s'envoler comme ça? Par exemple, de nos jours, c'est comme partout, même si tu vois qu'on dit journée de pardon, on appelle toujours les artistes, parce que c'est eux, le symbole de pardon, là, c'est lié aux artistes. C'est eux qui fabriquent des œuvres, la musique qui file les messages, tout ça c'est lié au pardon. Donc moi je pense que la musique en tout cas, ça nous amène en tout cas vraiment au-delà du développement. Nous deux, on a commencé et voilà, maintenant on est devenus beaucoup aujourd'hui et ça continue quoi. Et peut-être que demain aussi on aura plus de gars encore pour ajouter. On espère que toujours ça n'a qu'à continuer et puis courage à ceux qui sont là pour que ça avance quoi. C'est un vrai médium de communication et pour pouvoir porter des messages qui vont toucher la plupart des jeunes que nous n'arrivons pas à trouver dans les cadres formels. Par exemple, si nous rentrons dans les établissements, dans quoi, tout ça c'est des cadres formels. Mais si vous prenez par exemple le cas des jeunes qui sont les jeunes de la rue, les jeunes commerçants, les jeunes en milieu rural, ces gens, ils vont se déplacer pour venir se divertir et en même temps apprendre quelque chose. Et je crois que la musique est ce médium qui allie divertissement et éducation. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie d'une musique? De l'artisan qui fabrique l'instrument, à la population qui écoute la mélodie, bien des rôles permettent à une musique de créer un ensemble de significations. J'ai tenté de vivre mon exploration en suivant le chemin que parcourt une musique, pour voir jusqu'où il me mènerait. Dans la prochaine heure, je vous invite à écouter ceux et celles qui ont croisé ma route au Burkina Faso. Bon voyage! Ubetoro ningani nisege ni beke olukoso terete bojona jona.